et les jambes. Alors, il y a beaucoup de choses qui les distinguent, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent, mais ce qui est sûr, c'est que les mythes nous apprennent toujours qui nous sommes. Dans le monde entier, c'est universel. Figure azote. Premier début, n'avait point rien. N'avait le vide. Après là, toutes affaires à chambouler. Donc, chamboulement là, bondier par en l'air, la rencontre, bondier par en bas. Comme ça même, l'aîné, le ciel et la terre. Ces histoires-là, ils racontent dans toute langue, dans toute société, par en dessous toutes étoiles. Qui ça y raconte? Où ça y raconte? Que ça y raconte? Quand ça y raconte? Pour que ça et pour qui ça? Vous raconte des histoires d'ici, des histoires dehors. Mais tiens encore à remercier monsieur Sullivan Gauche. Poule d'azur, poule pole, gros épaule, coq, coquille, coquille sans coq, soit gros, oiseau, oiseau, en joie, six élèves, la relève, petit coup lève, petit coup lève. Bonjour. Ça claire 6, ça claire 16, ça claire 6, il a 16, 11, 16, assimilé, assim à rester. Zamons amoureux, Zamalé, Zamela, prends pas sa mal, à coute, à guette, bonne sauvrette en soquette, bonne somme, il veut sauver, bonne chère, il veut sauver. Compte si moi, quoi compte azote, compte si lit. C'est moi. Dans l'esprit populaire, le conte est toujours petit marmaille. Alors que dans d'autres pays, le conte, c'est tout public. Pourquoi pas interroger les grands mondes? Puisque une fois les grands mondes, il est parti. Ils s'emmènent avec Zot Zarlor. On serait tellement heureux de vous rencontrer, toutes et tous, les acteurs du conte, pour faire leur terrain de recherche. Je pense qu'à partir de cette journée phare, on pourrait développer un axe de recherche plus large sur le conte, en anthropologie, avec les collègues aussi en sciences du langage. Je pense que ça pourrait, la petite graine, vous savez, qui fait germer, on pourrait vraiment travailler ensemble et récolter ce qui a déjà été fait. C'est monsieur hein, qui disait où sont les travaux de Christian Barra, donc on pourrait demander à Christian Barra, évidemment. Mais je pense qu'on pourrait faire un travail de recherche, de récolte, mais surtout d'aller au-delà pour croiser les regards sur le conte et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux populations aujourd'hui. Madame l'a dit, les hôpitaux, vous avez cité Madame très bien tous les lieux où vous intervenez, dans les médiathèques, mais la partie des chercheurs et des étudiants doivent être aussi sensibilisés. Les étudiants, c'est nos enfants. Voilà, ils font un master, un bac plus 4, un bac plus 5, et souvent ils ont des sujets, ils attendent aussi des sujets, vous voyez. Parfois ils arrivent en master, ben, sur quoi je veux travailler? Alors l'équipe des enseignants, on propose, il y en a qui travaillent sur le service cabaret, sur la marche sur le feu, sur des tas de sujets passionnants sur la société créole, et le conte a sa part aussi dans la recherche. Pour nous, génération que l'a pas vive ça, nous, génération de marmaille, même s'il y en a plein de choses que les faits, il est trop galère que le conte, il occupe plein d'espace, mais mon envie de dire, le conte, ben, quand ça, il retourne la case aussi, en fait. Et du coup, comment nous fait, nous occupe ces espaces-là, nous professionnalise le conte, nous emmène à l'île, loin, partout, et en même temps que, ben, il reste côté nous, il reste dans notre cœur, nous reste la même avec nos parents, nos enfants. Oui, aussi, il y a un conte. Ah, mais là, Pompée, il dit ça, conte, conte. Mais nous, ici, on appelle ça histoire. Il mélange tout. Vous appelez. Non, comment dire ça? Hein, ouais, cette histoire-là, c'est un causement mondaire. Toutes les inventées, mais toutes les extraordinaires. Toutes ces affaires, où on n'a pas notre vie tous les jours, hein? Et pourtant, où rentre là-dedans, où vivent à l'île comme si c'était les vrais pour vraiment. Le vrai conteur, il raconte aussi les histoires mondaires. Non, oui, les histoires mondaires. Non, mais des fois, je ne suis pas l'auteur, mais des fois, c'est notre même l'auteur. Parce que le bon conteur, aujourd'hui, il a un bon peu, il écrit sa propre histoire, vous en raconte. Le bon raconteur, il raconte aussi bon peu le répertoire local, les contes et les légendes, Enchin, Eva, la Vierge Noire, la légende de Payanqueux, le voile de la mariée, et puis le bon raconteur d'histoire. Mais il pense que la préférence, ça va quand même vers le répertoire local et aussi bassin, océan indien. 1994, Christine Langot et Jean-Bernard Ifanouiza, que nous l'avons vu tout à l'heure là, sur la scène, un book incroyable qui, à côté de Sully Andoche, José Virin et Annie Grondin et beaucoup d'autres encore, travaillent pour ce magnifique art, transmettre, faire voyager les gens. Mais tout le monde a fait les puissants dans le conte. C'est bien sûr la manière du conte dans la culture d'un territoire. La culture d'un peuple chez un territoire.
Nounou achète systématiquement tout ce qui paraît sur l'océan Indien et nous met en rayon. À la rencontre de la population noire. Là-bas, je voudrais vous y amener pour faire des rencontres de conteurs et surtout de conteuses, de ces fameuses ménènes, découvrir un patrimoine culturel et immatériel tout aussi riche, écouter des artistes de la littérature orale, écouter des voix, des chants. C'est ça quelque chose profond qui peut guider nous, qui peut faire nous avancer, qui peut faire nous développer. Et qu'il dit, il y a aussi sa pompe qui réunit tout bas les autres du monde, de la planète. Mon père dit qu'il nous fier nos priorités, nous fier sa communauté, mais nous aussi nous ouvert. Pépé, si moi là bien, tu vas où? Il veut dire l'important concernant notre histoire, parce que ça, il fait partie de notre vie, de notre culture, pas vrai? On a, sous la compris ça, nous les sauver, mon caf. À ce terme, eh bien, il passe à où mon bateau la parole. Mais continue pour les fans racontage dans nos oreilles, petits frères, petits sœurs, ou de camarades, et puis un jour, ben, ou de ses enfants. Parce que vous connaissez quoi, notre histoire là, là. Ça n'est pas seulement un lamisement, ça. Ça fait partie de notre manière qu'on porte à nous en créole. Pareil, maloya, séga, manger. Eh bien, le racontage aussi, il marque nous qui ça nous l'est.